comme celui de l'affaire Nimitz. Donc on a essayé de reconstituer ce qui a été observé lors des exercices navals qui se déroulaient entre Nimitz, Princeton, etc. Du 10 au 13 novembre 2004, un certain nombre d'observations répétitives d'éco-radars, 8 à 20, observés au-dessus des îles Catalina, sur une trajectoire sud, à 80 000 pieds et à peu près 100 nœuds. Donc 100 nœuds, c'est une vitesse qui est extrêmement basse pour un avion, et qui plus est à des altitudes de ce niveau. Créé en 2013, Sigma 2 est constitué de pilotes de chasse, d'ingénieurs, de militaires et même d'astronautes, dont le français Jean-François Clairvoy. Pierre Bescon, lui, est l'ancien directeur du site de Kourou en Guyane, où sont lancées les fameuses fusées Ariane.